Bien, salut tout le monde, c'est Hélène Zilt et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de ma série sur Hélène Zilt et l'hardcore. Donc écoutez, moi ça va plutôt bien, donc ça va être sûrement le dernier épisode simplement parce que je vais partir en vacances. Et j'ai pas envie de faire toutes les vidéos à l'avance, ça n'a aucun intérêt. Donc la dernière fois on était revenu du Nether, on avait trouvé tout ce qu'il nous fallait sans aucun problème. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Donc aujourd'hui on va se faire des potions. On va s'enchanter, donc c'est pour ça que je suis en train de récolter de l'obsidienne. Et on va peut-être partir à la recherche d'autres diamants pour se faire notamment une épée qui sera beaucoup plus puissante que notre petite épée en fer. Allez, c'est parti, donc on va se faire notre table d'enchant et je viens de remarquer que nous n'avons pas de cuir. Fail. Bon, on va juste... Alors... c'est ça, voilà, Brain Stand. Ouais, donc faudra aller chercher des vaches, excusez-moi alors. Alors les potions. Nous avons besoin de sable. Le sable, j'ai dû le mettre ici. C'est parfait. Ensuite, on pourra se faire un four. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Minecraft du coup. Alors, on va faire chauffer ce fer là. On aura besoin de quoi? D'un seau d'eau qu'on a ici. On va le creuser un abri exprès. Hop. Voilà, c'est parti. Alors, on a besoin de combien? On a besoin de 3 verres. Ok, donc je vais juste partir un petit peu explorer parce que j'ai regardé l'ancienne vidéo. Enfin, les anciennes. Et on va juste prendre un peu de redstone. Et j'ai vu qu'on n'avait pas été exploré totalement vers là-bas. C'est quoi du fer? Ça pourrait nous être utile. Par contre, on n'a plus notre seau d'eau. C'est très embêtant. Il n'y a pas de diamant ici. Ouais, ça continue. On va aller voir. Ok, ça continue pas mal ici. Ah bah là, attendez, il y a une autre source d'eau. On va la prendre. Bon, les idées, elles remontent tout en haut. Qu'est-ce que j'ai vu là-bas? Araignée. Oh, c'est vrai que c'est super chiant. En plus, je joue dès le matin. Il y a le soleil qui se reflète dans l'écran de mon ordi. Ok, il y a rien par ici. Allez, on va faire des potions. Je serai quand même beaucoup plus tranquille avec ça. Pour faire des potions de niveau 2. Si je dis pas de conneries, c'est avec la glowstone que j'ai récupérée. Mais par contre, j'espère que je les ai pas jetées. Parce que pour faire des potions plus longues, soit il faut la redstone, soit il nous faut... soit il nous faut de la peau de creeper. Ça vraiment, je sais pas. Ok, on peut se faire 6 potions, j'entends bien un squelette. Voilà, je... Hop, ah oui putain, on est full. Tout le squelette. Ah mais oui, oh, elle se stack pas. Ah, oh, ça c'est des trucs super chiants. Hop. Hop, c'est bon, on les a ramassées toutes. Ah, on est full. Bah attends, on va mettre des trucs dans le coffre. On n'a pas besoin. Allez, c'est parti. Donc on va faire juste un deuxième four. Hop, voilà notre deuxième four. On va faire cuire cet or là. Voilà, on va récupérer ça. Alors c'est parti, on va commencer les potions. Donc normalement il faut mettre de l'eau ici et une nether wart. Jusque là tout va bien. Ensuite, pour faire les potions de heal. Oh, ah mais je suis complètement con, putain, j'ai oublié plein de trucs. Oh, oh là là, je suis un abruti. je me disais aussi c'est trop simple. Mais non, il nous faut forcément des... Ah voilà, je me disais bien qu'il y avait un truc. Viens ici. J'ai l'impression que les squelettes, ils ont l'air très inoffensifs. Ouais, oui, il nous manque les melons scintillants. Oh, c'est super joli, toutes les couleurs comme ça. Donc du coup, on peut se faire aucune potion. Changement de plan. Bon alors, vous savez quoi, on va sortir de cette grotte. La cova, j'en ai pas besoin, des arachnes non plus, la pisse. Ah si, la pisse. Alors, ça tu dégages, tu dégages. Ça tu dégages aussi, l'eau on en a besoin, des arachnes non. J'organise un petit peu mon inventaire, excusez-moi, mais il faudra bien le faire un jour. Ça, l'or, la pomme, le verre, un briquet, une pioche, une autre fiole,
Un mec en a déjà un. Alors, ça on va le récupérer. On va récupérer les fours. Voilà, on va récupérer ça. Ici on va prendre le... Ah oui, on avait 18 heures quand même. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait chauffer. Ça, l'underpearl, le fer. Je vais essayer de rien oublier, le bois. Le lapis, on va en mettre un peu plus. Ça ne nous coûte rien. Ah bah voilà, on met tout ça. Ça. Les fours. Le fer, on en trouvera. Ah, gunpowder. La table de craft n'en a pas besoin. Alors, bon bah ici on peut laisser comme tel. On va juste prendre le seau d'eau. Allez, c'est parti, on va remonter. Donc je voudrais aussi vous parler. Donc là c'est les vacances. Enfin, je sais pas pour tout le monde. Normalement c'est... Tout le monde est en vacances, hein, je crois. Si je dis pas de conneries. Et nous on a fait une sorte d'ami imaginaire. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est... En gros, on tire un papier. Et vous allez avoir le nom d'une personne sur ce papier. Et le but pour vous, ça va être de lui offrir un cadeau. Souvent à moins de 2 euros, enfin ça dépend. Hein. Mais voilà, pas un cadeau qui est vraiment si cher que ça. Voilà, le but ça va être de lui offrir un cadeau. Et c'est qu'à la fin qu'on découvre qui c'est qui nous avait. Et on tombe sur, des trucs vachement sympas. Je sais pas du tout par où on est venu par contre. Et moi je suis tombé vraiment sur un truc sympathique, regardez. En fait c'est une espèce de petit bâtonnet en bois. Vous avez une sorte de languette. Et si vous tirez cette languette en soufflant, ça fait un bruit comme ça. Enfin, c'est assez drôle. Bon, vous voyez, c'est pas des trucs super importants de la vie. Bien sûr, faut pas s'attendre à quelque chose de super. Bon, moi je trouve que c'était quand même super sympa comme cadeau. Et je crois qu'on est perdu dans cette grotte. Donc je vous propose une petite ellipse, parce que là je pense que je vais en mettre du temps. Genre, qu'est-ce qu'il a droppé? Oh, une carotte, tiens. J'ai quand même envie de la prendre. Mais contre quoi? Bon, pas grave. Ouais, donc on va faire une petite ellipse, les gens, parce que j'ai pas envie de perdre du temps à ça. Au moins que ce soit là. Si c'est pas au fond de ce tunnel. Ça a l'air de remonter. On attend. Ok, c'est bon. Ah, et les creepers en fait ils pètent pas autant de bleu que je le pensais. Hein. Là ça m'a l'air de remonter. Ok. Bon, on va se faire une petite ellipse. Je vous dis à tout de suite. Et bien me voilà sorti. Donc j'avais creusé un petit trou. J'ai miné un petit peu au petit. Donc c'est aussi pour ça que je voulais pas vous... Je vous ai épargné cette scène très humiliante de ma part. Donc c'est parti. Donc bien sûr, il faut que quand je sors, il fasse nuit. Donc il y a pas mal de mobs, notamment une petite witch là-bas, il y a des cochons. Bon, c'est encore très peuplé. On va essayer de se balader jusqu'à trouver des vaches. Ou des chevaux, bien sûr, parce que les chevaux donnent aussi du cuir. Dans mon souvenir, ouais, ils donnent du cuir. Et j'ai été récupérer la carotte parce que j'ai eu une petite idée. J'ai repensé à l'idée d'un abonné, c'est que je pourrais sauter d'une falaise avec un cochon, mais j'aurais besoin de le guider, le cochon, donc c'est pour ça qu'il me faut la carotte. Ça peut être effectivement un très bon objectif. Oh, on est revenu voir les lapins, coucou. J'avais dit que je vous tuerais. Bon, on trouve strictement rien. Oh. Bon, j'ai eu beaucoup de chance dans les premiers épisodes, mais là, ça se gâte. Ben, normalement, c'est bizarre, on en trouve pourtant des vaches et... Les vaches, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus que les autres animaux. Mais vous voyez, je me trompe. Oh, j'ai pas mis mon timer. Ah bah tiens, c'est pas la faille d'où on vient, ça. On va éviter de s'approcher trop parce que là... Oh, il a une épée en fer, lui. On va éviter de s'approcher trop. Ah, je sais, on pourrait aller dans le désert. Oui, on va éviter de s'approcher trop parce que regardez, là, les fourves, ils vont nous attaquer par derrière. On se fait attaquer de partout. C'est le gang bang. Il
Yo squelette, meurt. Oh ils ont... il a droppé une pompe certes. Ouais non. Oula lui il a un arc en pente. Ah mais il tire sur le... Ok. Alors là j'ai quand même envie de, de le tuer parce que s'il a un arc en chante... Yeah dragon ce que j'ai fait. Bien sûr on a pas rompé. Ouais c'est ça brûlé, démon. L'épée en fer où est-elle? C'est quoi en fer? Hop. Et on va les assembler. Et ouais. Voilà. Allez. Donc on va... Je pensais aller dans le désert, mais non, on va continuer dans la plaine, c'est plus sage. Ouais, bien sûr, le désert, il est partout. Oh, punaise. Bon, mais j'aime bien, j'ai atteint aucun des objectifs que je voulais faire aujourd'hui. Je voulais m'enchanter et tout. J'avais peut-être l'idée de retourner dans le désert si j'avais le temps. Eh ben non. Mais de toute façon, il nous faut une jungle aussi pour les melons. Parce que les melons vont nous permettre de faire des melons sentiers. Ah, ah est-ce que j'ai vu là-bas? On va pas encore. Regardez. Ça vient juste... Ah, je crois que c'est... Oh, je crois que c'est une pyramide. Oh, super. Allez, ça va peut-être nous sauver. On va peut-être trouver des diamants. Et je suis quand même tourné sur une bonne génération. Je me la... Je dis que c'est de la merde, mais bon, c'est plutôt pas mal. Le nombre de fois où je suis tombé sur des trucs de merde, vous ne pouvez pas savoir. C'est quoi cette plateforme en l'air? Oh, petit the fuck. Ah non, c'est un nuage, ok. Je crois que c'était du sable en l'air, je me suis dit encore des bugs de Minecraft. Ok, ça tombe bien, c'est super, elle est enfoncée dans le sable. Alors, on va faire très attention. C'est des plaques de pression. Ah oui, là, il ne faut pas... Attendez. Oh, c'est des laines de couleur. Ah, attendez. Si je me souviens bien, voilà, ne pas marcher sur cette plaque de pression. Sinon, ça fait tout exploser. Alors, on va péter tout ça. L'épisode va peut-être durer un peu plus longtemps, hein, tout compte fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut jeter? Bon, une selle, hein, déjà une. Oh, d'accord que ça me fait chier de jeter une selle. Hein. On sait jamais. Oh mais j'ai vraiment trop de choses. Allez le verre. Allez c'est parti, on va descendre. Ouais donc on va directement péter la plaque de pression parce que je crois qu'il y a des TNT en dessous. Ça me... J'avais passé un mauvais quart d'heure. Donc là je vous assure, si je marque sur la plaque de pression, on meurt. Hein. Je peux vous le dire tout de suite. Surtout en hardcore, on n'a aucune chance. Oh, ah la pioche en diamant par contre, pff, elle est super. Ok, déminage extrême. Mais dites-moi, c'est de la bonne merde. C'est de la bonne vieille merde ça. Bon, on a 4 diamants. La TNT, je pense pas qu'on en aura besoin. Ouais, là on va remonter. J'aurais quand même envie de tout faire péter. Hein. Mais bon, je suis tellement nul. Que ça va me retomber sur la gueule cette histoire. On est venu de là, non? Ouais, je pense. Ok, c'est bon, on est sorti. Bon. Résultat des courses, on a toujours pas de vache. Bon, on va traverser ce désert parce que... De toute façon, je pense qu'il entoure toute cette forêt là-bas. C'est un oasis. Et après, on va finir la vidéo parce que... Oh, je sais pas du tout combien de temps on en est. Là, vous voyez, dès que je sors à la surface, je sais plus quoi dire. Il y a un lac de lave. Encore un biome savane. Oh non mais... Ah mais biome savane. Attendez. Biome savane, on peut aussi trouver des vaches. Bon le mieux ce serait que on trouve un biome jungle avec des vaches et des melons. Ce serait parfait. Ne croyez-vous pas qu'il y ait bien sûr un océan? Excusez-moi si j'ai des petits lags parce que je commence à générer du terrain. Ah les vaches. J'arrive où tu es. On va faire un bon petit steak fruit.
Coucou mes belles. Ah bah parfait, on va pouvoir s'établir là. C'est parfait, je vais lire résidence ici, on a une belle vue en plus. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut jeter? Bon, la cobble, on a plus besoin. Co-tipper, yeah. Je sais pas combien il nous en faut. En fait, c'est juste le coup de nous faire un livre. Hein. Et le livre, je crois qu'il nous en faut 3. Elles veulent me tuer. Et ils vont pas nous en donner? Epic troll! Oh, les salopes. Ah, bon, bah, on a que 2 cuirs. Je pense pas que ça suffira. Ah mais ils le 3 là. J'aurais peut-être dû leur faire des enfants. Ah non, c'est bon là. Oula, un Underman. Ouh, toi je vais te défoncer. T'es où? Hello bitch. Oh, non mais il me troll sur cette montagne. C'est pas possible. Bon, on reviendra te chercher. Je sais pas du tout si j'ai regardé dans les yeux. Je pense que si je l'aurais regardé dans les yeux, il m'aurait poursuivi. Allez, on va aller chercher ces petites vaches, on va remonter et on va se laisser là. Ah oui, je suis tombé vraiment sur un endroit sympa là. La chance du noob est encore avec moi. Une petite prairie. Allez. Donnez-nous du cul. Ah, 3. Un petit peu plus. 4, c'est bien. Il y en avait une autre, non? Il n'y en a pas une autre? Si. Voilà, 4 cuirs, je pense que ça suffira. Oh, ah non! Attendez. Est-ce qu'il en faut pas sur la barre du haut et sur la barre du bas? Oh punaise, je pense que c'est ça en plus. Bon. Vous savez quoi, on verra ça dans le prochain épisode. Là, on va se laisser. Ouais, on va se laisser. On va remonter en haut. Mais en même temps, on va pas remonter en bas. Ça, je suppose que les gros lourds auront fait cette blague. Mettez-les dans les commentaires si vous l'auriez fait. Enfin, si vous l'aurez faite, pardon. J'en connais en tout cas dans mes amis qui l'auraient faite. Je ne cite personne. Allez, c'est parti, on rentre. Dans notre petite maison. Norman, il est parti. Salopette. Il a peur. Non, ce n'est pas une bite. Arrêtez d'y penser. Allez, donc on va se laisser là les amis. Donc on a trouvé du cuir. Je sais pas si on en a assez. Mais bon, en tout cas on est sorti un peu. Il y a eu un peu de fight. J'aurais bien aimé avoir l'Underman parce qu'on a qu'une Underpearl. Mais bon, j'ai quand même ma petite idée pour aller à l'Under Dragon. Vous verrez ça. Donc on se laisse là les amis. En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis déjà bonnes vacances parce que je sais pas s'il y aura le rush. Le rush vendredi tout simplement parce que j'aurai peut-être pas le temps de l'upload. Mais en tout cas, à partir de si vendredi vous voyez qu'il y a plus de vidéos, bah c'est normal, je suis parti en vacances. Donc je devrais revenir bah, dans 2 semaines normalement. Ouais non, 2 semaines. Donc je vous souhaite de bonnes vacances, à l'année prochaine et de joyeuses fêtes. Allez, ciao ciao!